Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dead by Daylight, mais c'est une vidéo très particulière puisqu'elle est sponsorisée par Asus ROG France et Intel Gaming France. En effet, j'ai réussi à avoir un partenariat avec eux, j'ai reçu un PC portable et donc je vais le tester tout de suite en vidéo et je ferai également un live avec le PC portable parce qu'on peut streamer et faire des vidéos avec ce PC portable, c'est monstrueux. Donc ils m'ont envoyé l'Asus ROG Zephyrus Duo 15 qui est boosté par la 10e génération de processeurs d'Intel Core, le i9-10980HK. Donc là mon ami, je peux te dire que c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. En carte graphique, il possède la Nvidia RTX 2080. On peut préciser Super with Max Q Design si vous préférez. Alors, en tout cas, ce PC est juste monstrueux. C'est un PC avec deux écrans. C'est-à-dire que vous avez un écran où vous pouvez jouer à des BD. Et puis vous avez en dessous le deuxième écran avec le chat Twitch ou le stream OBS, peu importe ce que vous voulez. En tout cas, il y a deux écrans. C'est juste monstrueux. Les touches sont toutes fines. De toute façon, n'hésitez pas à regarder dans la description, puisque dans la description, il y aura un lien avec un lien traqué qui va vous permettre de regarder tous les PC disponibles sur ce lien-là. Et il y aura également le mien, le Zephyrus Duo 15 Asus ROG. Et il y en aura d'autres, un peu moins chers ou un peu plus chers, selon ce que vous préférez. Si jamais vous avez besoin d'un PC portable, je sais pas moi, vous aviez envie d'un PC portable pour streamer ou pour record des vidéos et vous savez pas quoi acheter, ben ça tombe à pic parce que ce PC portable est fait pour ça. En fait, il a été conçu pour ça. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour regarder tous les PC disponibles et voir s'il y en a un qui vous plairait. Voilà, si vous êtes en recherche de PC, c'est le moment ou jamais. Je pense que c'est un signe, tout simplement. Donc, c'est très simple. Dans cette vidéo, je vais faire une game DBD. Et puis, on va tester tout ça, voir un petit peu comment se comporte le PC, si tout va bien, s'il n'y a pas de lag, si ça frise pas, si c'est fluide, si c'est agréable, on voit qu'avec l'écran, on a de beaux graphismes avec la carte graphique, etc. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais tout ce que je sais, c'est qu'à première vue, en l'ayant testé en off, c'est une bête. Voilà, ça marche super bien. Donc, je vous le conseille, n'hésitez pas. Il y a peut-être un petit bémol, c'est le fait qu'il n'y ait que 3 prises USB. Donc dans ce cas, il faut acheter un petit adaptateur pour avoir plusieurs prises USB. Comme ça, c'est nickel et on sera tranquille. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Asus ROG France et Intel Gaming France. Je vous remercie de la regarder, c'est très gentil. Et puis de toute façon, j'espère que le gameplay vous plaira. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Je suis présent et actif dessus, sans aucun souci. Je vous kiffe, je vous aime, merci beaucoup. Et puis de toute façon, on se retrouve tout de suite pour la vidéo du gameplay DBD en survivant. Noice. Allez, c'est parti. Asile Cotisprenn, mon ami. Map du Clown. Chapelle du Père Campbell. Et c'est parti pour jouer à Dead by Daylight avec ce nouveau PC que je vous ai présenté à l'instant. Ah là là, la sensation vraiment agréable. Ouh, un coffre, c'est une Huntress. Moi, j'ouvre le coffre direct, hein, je vous le dis cash. Moi, les coffres, je les vois, je les ouvre. Parce que les coffres, avant les potes. Ça, c'est beau. Alors, si vous me voyez... si vous me voyez regarder en bas, c'est normal. Hein, c'est parce que je regarde mon PC portable, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression... Vous avez l'impression que je regarde le sol. Mais en fait, non, je regarde bien l'écran de mon PC portable. Donc, on est contre une Huntress. C'est une bonne map Huntress. Parce qu'elle a bien été rework et les hatchets passent au-dessus des obstacles. Donc, ça reste une très, très bonne map Huntress. Il y a un totem ici. Un générateur à droite. C'est dangereux d'aller sur ce générateur, hein, parce qu'il n'y a aucune protection à côté. J'avoue qu'elle arrive en plus. Il y a Ruine. Très bonne perk. Ruine, elle a l'air chaude de chez chaude. Elle a envie d'en découdre, mon ami, je le sens. Donc il y a peut-être Corrupt. J'ai pas vu s'il y avait la Corrupt, on va passer la fenêtre. Si elle casse pas les portes, c'est des très bons loops ici, si elle casse pas les portes. Très très bon loop. Faut vraiment casser les portes. Hein. D'ailleurs, quand tu spawns en Huntress, tu dois casser les portes direct. Hein. Donc là, on va essayer de se mettre comme ça, de voir où est-ce qu'elle pourra arriver. Pas se faire prendre par surprise, ce serait bête. Elle arrive en bas. Ok, nickel, on a plus dodge hit. Ouh, elle a tenté un truc intéressant, vraiment. C'était intéressant de ouf, hein, à tenter. C'était vraiment sympa. Tiens, elle a pas cassé les portes, hein, je crois. Ah mince, elle est là. On sait pas qu'elle se fait là. Allez, on prend le premier hit. C'est pas très grave. Elle a pas cassé la porte. Hein. Pour moi, il faut qu'elle casse la porte. Mais... elle a l'air chaude hein, quand même. Elle a l'air de bien jouer. Hein. Elle a rechargé. Il
On passe par là. Elle a perdu un générateur pour l'instant. On va essayer de... Voilà, passer ici, tranquillement. Elle a changé de type, de toute façon. Donc ça, c'est OK. On repasse la fenêtre. Donc on n'a pas trop mal joué. Après, elle n'a pas super bien joué non plus. C'est cool, on a trouvé une petite pousse de soins. Peut-être vocation. Faut faire attention. Peut-être vocation, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais me soigner. Petite trousse de soins jaune dans le coffre, ça c'est bien. Très très bien même, mon ami. Donc pour l'instant, les sensations du PC, c'est juste très très agréable. C'est fluide, c'est net. Les graphismes, hein, magnifiques évidemment. C'est super. C'est confortable, les touches sont ultra confortables. Et c'est un PC à deux écrans. Voilà, je le redis, c'est un PC deux écrans. C'est-à-dire que vous avez un écran pour jouer et un deuxième petit écran pour mettre ce que vous voulez, OBS ou Twitch ou le chat de Twitch ou ce que vous voulez. Vous avez un double écran sur un PC portable. C'est quand même un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est de la puissance, quoi. Vous avez un double écran sur un ordinateur portable. C'est quand même un truc de dingue. C'est quand même un truc de dingue. On force le générateur parce qu'il y a ruine, donc il faut forcer le gène. Mais il faut pas que Obi passe P2. Même si c'est que le premier hook, on a fait quand même 4 générateurs. Et c'est le premier hook, hein. Donc pour l'instant, on a très bien joué. Elle a pas mis le coup de pression, mais elle sait jouer, hein. Faut faire attention, hein. Ok. Obi a été des hooks. Elle a raté. Là, je saute. Elle tape la fenêtre. Et non. Ok, elle passe à côté. Je fais semblant de sauter. En fait, je saute pas. Ok, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Là, je vais devoir sauter. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Elle a raté. J'ai pas compris comment, mais elle a raté. Elle a raté également, j'ai pas trop compris pourquoi. Je saute, elle tape la fenêtre. Je prends le hit, c'est logique, hein. Mais là, jusqu'à présent, elle a pas très bien joué. Elle a raté ses hits, hein, au corps à corps, hein. On a bien dodge, hein. On a bien dodge, les gars. On a plus de trousse de soins. Je pourrais pas me soigner. Mais on a bien joué, hein. On a pas trop mal joué. Oh là là. Qu'est-ce que c'est agréable de moonwalk avec ce PC portable. Oh là là. Qu'est-ce que c'est agréable. J'ai l'impression que je peux pas me rater, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Tac. Pour l'instant, les sensations sont vraiment bonnes, hein. Vraiment très très bonnes. C'est confortable, c'est ouf. Je me dis que c'est quand même un PC portable et j'arrive à enregistrer un gameplay. J'arriverai même à streamer. C'est quand même un truc de ouf. Avec double écran. Waouh. Asus et Intel, ils ont assuré là-dessus, hein. Rien à dire. Du gros travail quand même. Bon, cette partie est quand même très calme. Vraiment très calme. Mais on a bien joué aussi, hein. Après, cette entrée, elle avait l'air chaude quand je l'ai vue first, early. Mais là, je ne sais pas ce qu'elle fout. Elle perd beaucoup de temps. Je pense qu'elle perd un petit peu de sang-froid du fait d'avoir quand même perdu 4 générateurs très très vite. Donc là, on l'a vraiment outplay, on va dire. Après, peut-être qu'elle n'est pas très forte, hein. Peut-être que c'est la première fois qu'elle joue une tresse. Même si j'ai pas l'impression que ce soit la première fois qu'elle joue une tresse. Mais on a bien joué, hein. On a bien joué. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, ce PC, donc il est super, et rien à dire. Par contre, il y a juste un petit bémol, c'est qu'il y a 3 prises USB seulement. Il en aurait fallu 4. Alors, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est acheter un adaptateur. Vous achetez un adaptateur qui vous fait 4 sorties USB supplémentaires. Comme ça, c'est tranquille, c'est ce que j'ai fait. Et comme ça, là, au final, j'ai 2 ports USB qui me servent à rien, au final. Puisque j'ai acheté cet adaptateur. J'ai pas regardé où étaient les portes. Ok, une à droite et une à gauche, d'accord. Ok, donc peut-être le deuxième hook. Hein. Pour l'instant, elle n'a pas mis de pression à la game. Mais bon, on sait jamais. Hein. Les endgames, souvent, c'est plus chaud que... Ouais, vas-y. Moi, je peux pas me soigner, mais... Je vais utiliser un petit peu de ma trousse. Je vais juste me cacher. Je vais utiliser un petit peu de ma trousse. Et ensuite, il va sûrement me soigner, je pense. Et puis moi, je le soignerai aussi parce que je crois que... Ah non, il est pas blessé, c'est Obi, ouais. Hop. Voilà, je suis full. Faudra qu'il me soigne. Faut lui dire oui de la tête. Vas-y, soigne-moi, ma couille. Soigne-moi, ma couille. Voilà, bien, 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 malaxe-moi, malaxe-moi. Bien ça, bien, bien, bien. Tac, nickel, parfait, merci. Allez, on va essayer de sauver Hertz, il est en difficulté, parce que là, comme les 5 gènes ont été faits, la porte de sortie a été mise à 99%, le tueur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre que rester près du hook, il a rien d'autre à faire. Donc ce serait tout à fait logique de le voir un peu state au middle de hook, tu vois, il est... Oh, il est calling quand même, hein. Il facecamp pas, hein. Il rode, évidemment, c'est logique. Mais il facecamp pas le mec, il est colline quoi, rien à dire. Ah ça c'est cool. Hein. J'aurais pu tenter le déhook, j'ai pas osé mais... Ok nickel. Parfait. Ok, elle a raté le hit.
On va la suivre. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, j'existe pas, j'existe pas. Attention, je saute. Ah, elle est pas sur moi, ok. Non, non. Oh, le 3-6 a failli passer, mon ami. Oh, le spin était beau. Le spin était beau. Le spin était beau. Je te jure, le spin était bien. J'ai fait un superbe spin. Vas-y, moonwalk, moonwalk. Wouah. C'est chaud. Elle arrive, elle arrive. Open, open. C'est chaud, c'est chaud. Elle s'est fait stun. Ah, je crois qu'il veut qu'on baisse la palette. Il dit oui, vas-y, je vais lui baisser la palette sur le nez. J'arrive, j'arrive. Vas-y, décale. Voilà. Nice. Il dit oui de la tête. Attends. Son oui de la tête, ça n'a aucun sens. Regardez son oui de la tête. Oh, il se baisse, faut que ce soit moi qui prenne. C'est un génie. C'est chaud, c'est chaud. Elle avait sûrement un défi untrash ou je ne sais quoi. On va se soigner. Attention. C'est chaud, c'est chaud. Ah, raté. Allez, oui, de la tête, quoi. Allez, oui, de boomer, c'est monstrueux. Non, pas moi. J'ai rien fait, moi. Tiens, touche le doigt. Ah, mince. Ah, mais touche le doigt. C'est comment? Mince, j'ai pas scié ma touche pour toucher le doigt. Tristesse. Non, pas moi. Pas moi. What? Ok, je fais du patin à glace, apparemment. Parfait, ça. Parfait, ça. Bien, ça, bien. Ah là là. Bon, bah, cette Entress n'était pas très puissante. Oh, c'était un cross-platform. Ok, on a affronté une Entress cross-platform. Hein. Quand même, je vous écoute. Immortel, Barbecue and Chili et Ruin. Hein. Quand même, un très très bon build sur Entress. Vraiment très très bon build. On va mettre GG Wallplay, mon ami. Ouais, c'était pas une Entress très très forte. Hein. Cross-platform, c'est très rare, les Entress cross-platform. Alors, ça peut très très bien être un Windows Store. Mais si on l'avait pas parlé dans le chat, c'est que c'était sûrement un console. Mais elle était pas si dégueu au début, elle a mis une certaine pression, j'ai eu peur qu'elle soit très très forte, mais en fait ça a été, ça s'est bien déroulé. Donc qu'est-ce que j'ai à dire pour cette petite vidéo en partenariat avec Asus ROG France et Intel Gaming France? Eh bien que le PC portable est monstrueux. N'oubliez pas, quand vous achetez un PC portable, de bien faire les mises à jour des drivers, c'est très important, de faire les mises à jour de la carte graphique, faire les mises à jour processeur si jamais il y a des mises à jour à faire. Faut pas hésiter, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah, que le PC est juste génialissime, vous pouvez remarquer que c'est très confortable, il n'y a eu aucun freeze, aucun lag dans la game, c'était vraiment net, c'était clean, j'ai pu enregistrer ça en 1080p, magnifique, avec la cam, le micro, micro bonne qualité, tout qui va bien, c'est un PC portable, vous pouvez streamer sur vos chiottes, streamer partout dans votre salle de bain, vous êtes en train de prendre un bain et vous pouvez streamer, c'est quand même stylé, c'est quand même stylé, deux écrans. Tu sais, des fois, on a un PC fixe, il n'y a même pas deux écrans. T'as qu'un écran, tu sais, t'es en galère. Là, t'as un PC portable, double écran. Tu peux jouer et en même temps regarder un stream. C'est monstrueux. Donc, n'hésitez pas. Il y a le lien dans la description. Le lien traqué dans la description pour atterrir sur l'endroit où il y aura tous les PC disponibles avec mon partenariat. Des PC un peu moins chers et un peu plus chers. Et également celui-ci, le Zephyrus Duo 15. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois, un énorme remerciement à Intel Gaming France et à Asus ROG France pour cette magnifique opportunité de pouvoir tester ce PC et de vous le montrer en live et en vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une excellente journée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine en live ou en vidéo. Merci et merci.